Bonjour, 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 bonjour à tous. Je vais baisser un peu le son pour qu'on puisse s'entendre. Désolé, j'ai eu un petit, petit problème de connexion au démarrage. J'espère que vous m'entendez. J'espère que ça va bien. Hey Drax, salut. Comment ça va? La forme. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Il y a des gens que je ne connais pas. Bienvenue, bienvenue. Welcome. J'espère que ça va. Vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de chiffres. Il faut qu'on parle de chiffres. Déjà pour plusieurs raisons. C'est plusieurs bonnes raisons. C'est que le championnat de France se rapproche à grands pas. Il y a bien sûr des gens qui veulent participer au format découverte. Et ça, c'est cool. Mais idéalement, l'objectif, c'est à terme de jouer à Memory League. Je vais vous parler de Memory League bientôt parce que j'ai un petit match qui arrive, mon dernier match de saison, pour le coup. Et je pensais que c'était important de parler tout simplement de chiffres. Donc on va parler un peu de chiffres. Salut Soneis, comment ça va? Hello, welcome. J'espère que tu vas bien. Ça c'est bien fini Fall Guys. J'ai découvert Fall Guys. Je ne connaissais pas du tout Fall Guys. J'ai complètement découvert Fall Guys. Je ne savais pas que c'était un jeu aussi drôle. Ça avait l'air très drôle. Mon fils avait l'air très très chaud. Il dit ouais, c'est génial, je connais et tout. Ça va bien, ça va bien. Vous êtes bien tombé. Tu m'étonnes. Ça a l'air. Non, il y a du skill quand même. Hein. Il faut s'entraîner, j'ai l'impression. C'est pas donné à tout le monde. Il y a un peu de chance, mais il y a du skill. Alors même s'il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà certainement un système de chiffres, je trouvais ça important d'en parler, parce que bien sûr on cherche quand même à attirer des débutants. Je vais vous parler quand même un petit peu de Memory League. On arrive clairement sur la fin de la saison 17, si je dis pas de bêtises. 17 c'est ça? Et alors là, il n'est pas planifié encore, mais moi, logiquement, j'ai un match ce week-end. C'est mon dernier match, division 2C. Voilà, on a la division qu'on mérite. Moi, c'est division 2C. Pour l'instant, donc, 4 matchs joués, 2 victoires, chouette. Une égalité dont je ne suis pas peu fier face à la machine de guerre polonaise, Yann. Et un match de perdu. Bon, est-ce qu'on aurait pu mieux faire? On aurait certainement pu mieux faire, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, actuellement, je suis 3ème de la Ligue, sachant qu'il me reste un match à jouer. Un match que j'ai à jouer contre Ilya Gubenko, de nationalité russe, si je ne m'abuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que je devrais pouvoir monter un petit peu. Est-ce que ça me ferait monter? Parce que là, je suis à 9 points. Ouais, non, pas vraiment. Ça changerait pas grand-chose, je crois. Et j'ai toujours pas. Ça fait à peu près 6 semaines qu'on essaye de s'organiser un match. Donc on espère qu'on va y arriver. Mais voilà, donc ça devrait être pour ce week-end. Donc je vous tiendrai au courant. Et s'il y a match, je vais le streamer, bien sûr. Alors, on verra s'il y en a qui veulent faire du Memory League si vous êtes chaud. Moi, je suis toujours chaud pour des petits entraînements, pour des matchs. Hein. Pourquoi pas des matchs de. Tiens, il y a Don Michael. Il s'entraîner avec Drax. et on verra si on veut s'entraîner un petit peu tout à l'heure sur Memory League, si vous êtes chaud. Mais en attendant, voilà, moi je voulais vous parler un petit peu quand même du système Major. Alors, le système Major, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un code de chiffres et de sons. Et qui va nous permettre tout simplement de mémoriser des chiffres. Et j'ai eu le problème récemment avec des gens avec qui j'ai discuté ou que j'ai coaché ou que avec qui on s'entraîne et qui ont démarré un Centium. Alors un Centium c'est quoi? D'abord je vais commencer par le système Major. Le système Major c'est juste une façon d'encoder les chiffres en sons, d'accord? Et avec plus exactement les chiffres en consonnes. Et une fois qu'on a les consonnes vous donnent
on rajoute des voyelles, ça vous fait des mots. Et alors, je te donne un exemple. Par exemple, là, on voit quoi? On voit que. Alors, le code, il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas de bol. Donc, ça, c'est la méthode d'Aimé Paris et de l'Abbé Boigneau. Apparemment, c'est une méthode qui est très française, mais bon. Il y a des variantes de ce code. Moi, je vous donne le système major parce que classique, parce que pour moi, c'est celui que vous, sur lequel vous tombez systématiquement sur Internet. Et puis, je sais pas, moi je l'aime bien, puis c'est celui-ci que j'utilise, donc je vois pas pourquoi je changerais. Mais bien sûr, il y a des variantes. Alors, le 0 c'est le S ou le Z, le 1 c'est le T ou D, le 2 c'est le son N, le 3 c'est le son M, le 4 c'est le son R, le 5 c'est le son L. Alors vous voyez, parfois il y a plusieurs consonnes qui vont s'adapter à un seul chiffre. Ça, enfin, plusieurs consonnes, plusieurs sons, mais c'est toujours des sons qui, du point de vue phonétique, sont très proches. D'accord ? Donc par exemple, si vous prenez le CHE ou le JE, par exemple pour le 6, vous voyez, c'est J, CH ou SH, tout simplement parce que je ou che en phonétique, ça vous demande le même effort à peu près au niveau de la bouche, de la langue, etc., des dents. Et donc, c'est un son qui est considéré très proche en phonétique. Pareil, si vous prenez le P ou le B, voilà, pe, be, voilà, c'est, a priori, c'est le même son. Voilà. Après, adressez-vous aux spécialistes pour savoir comment ça s'appelle, je ne sais plus, il y a des noms, etc. Bon. Voilà. Ce qui m'intéresse ensuite, c'est qu'une fois qu'on a ces consonnes, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de deux chiffres, parce que un chiffre, oui, enfin, on peut faire des associations, mais ça fonctionne vraiment qu'à partir de deux chiffres, ce système-là, on va dire. Et on peut aller après jusqu'à 3, etc. Donc, par exemple, là, vous voyez, ils ont pris 99. Donc, on a dit, si 99 dans notre système, c'est P ou B, on est d'accord, ça devient coupon, par exemple, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'il faut, il va falloir trouver un mot de syllabe dans lequel vous entendez deux fois le son P ou deux fois le son B. Donc là, on a pris l'exemple. Et donc, les voyelles, c'est libre. D'accord ? Pont, poupon, pompier, mais ça peut être papa, bien sûr, bébé, pipi, popo, pépé, papy, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc ça marche bien. Salut, Crazy, tu vas bien ? On va parler un peu de système Centium aujourd'hui, d'une table de rappel et de chiffres. Et donc, bah, ce côté, une fois qu'on a ce nombre à deux chiffres, on a une image, forcément c'est plus facile à retenir et on peut la mettre par exemple dans un palais mental, mais c'est pas obligé, on peut se faire une histoire avec, on peut faire des liens. Je vais pas vous faire tout l'historique du système major, mais disons que la première étape, ça va être pour vous d'apprendre par exemple les 10 premiers chiffres, okay, et la lettre qui correspond, donc d'apprendre le code, d'apprendre le système en soi. Et ouais, il est tout le temps là, Crazy, je sais pas comment il fait. Tout le temps sur Twitch en fait. Soit tu streams, soit tu regardes. Et une fois qu'on a qu'on a maîtrisé, on va dire, le système majeur de base, on va commencer à se créer ce qu'on appelle une table de rappel. Alors, table de rappel, est-ce que j'ai un exemple? On va taper table de rappel, tiens. Bon, une table de rappel, c'est ça. Voilà, des exemples de table de rappel. Une table de rappel, en fait, c'est quoi? On va prendre la définition de sherpa.com. Construction en général de 0 à 99 qui te permet d'associer un chiffre à une image. En l'occurrence, c'est plutôt un nombre à une image. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ça, en gros, une table de rappel. J'en ai déjà préparé. Tac. Voilà, ça, c'est une table de rappel. C'est une table, c'est vraiment une table, c'est un tableau, qui va en général de 0,0 à 99. Parfois, alors, de 0 à 99, ce qui pour moi est un peu un non-sens, mais on verra après pourquoi. Pour dire que. On a une image, et c'est tout le temps la même, tout le temps le même mot, pour ce nombre-là. Ce nombre-là de chiffres, ou ce chiffre, quand c'est, on va dire, de 0 à 9. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas s'ennuyer à chaque fois à repasser par le système majeur pour dire, attends, 23, c'était quoi ? 2, c'est N, 3, c'est M, donc 23, moi, ça va être un M, par exemple. Ok. On peut, et à chaque fois, on pourrait trouver un truc différent. Ah ouais, la fois d'après, j'utilise Nemo, la fois d'après, j'utilise Nami, etc. On peut, mais c'est relou. Donc, idéalement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va utiliser notre système majeur et notre table de rappel, pour rappeler le nombre 55 ou 54 ou 53, etc., à chaque fois, on va utiliser la même image, le même mot. Donc ça, ça se crée. Alors, bien sûr, vous pouvez en prendre une qui est existante. Moi, je vous conseille très fortement comme de prendre un truc qui est déjà existant et ensuite de l'adapter. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'énormes difficultés quand ils apprennent ce système ou quand ils créent leur première table de rappel.
Et du coup, c'est le bazar. Alors, il y a plusieurs soucis. Et vous allez voir, je vais vous prendre plusieurs exemples. Et je vais vous montrer un peu pourquoi ça peut vite devenir le bazar. On va d'abord parler de cohésion ou de congruence, on va dire, du système. Donc, si par exemple, on regarde cette table de rappel là, que j'ai pris, du coup, alors elle n'est pas à moi, hein. Je l'ai pris sur un site qui s'appelle, comment il s'appelle, jeretiens.net, ok, c'est un blog, je crois, et notamment dans ce blog, il donne par exemple cette table de rappel en exemple, ok. Alors, cette table de rappel, elle est très bien. Qu'est-ce que tu dis, Crazy? T'as seulement 9 images similaires dans ta table? Alors voilà. Déjà, problème de redondance. À éviter. Évidemment, on va éviter les images qui sont trop similaires, voire qui sont identiques. Alors, pour un centième, alors pourquoi on appelle ça un centième? J'ai pas dit. C'est parce qu'il y a 100 images. Forcément, de 0,0 à 99, ou de 0 à 99, vous avez 100 images. Alors, d'ailleurs, pourquoi je dis 0,0? Parce que pour moi, une table de rappel à deux chiffres, c'est pour tous les nombres à deux chiffres. Donc pour moi, 0 à 9, c'est juste des chiffres, c'est pas des nombres à deux chiffres. Donc idéalement 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, il faudrait une image pour tous ces nombres-là. Alors en fonction des tables de rappel sur lesquelles vous tombez, vous avez des tables de rappel de 0,0 à 99, et vous avez des tables qui ignorent le 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, et qui partent du principe que 0,1 pour eux ça va être 1, et que 0,0 ça va être 0. C'est un parti pris. Vous allez voir que ça peut poser des problèmes. Je vous donne un exemple, c'est quand on veut retenir un numéro de téléphone, si on vous donne le 06, 02, 04, 08, 09, il y a peu de chance, hein, mais est-ce que vous partez sur... Parce que parfois, moi, je vais avoir besoin de retenir vraiment 04 et pas 4. Surtout que si c'est une très longue suite de chiffres. C'est-à-dire que si le numéro, je ne sais pas, que je dois retenir, c'est 4, 32, 04, 44, 04, 4, enfin... Ok, on va vite voir que on n'a pas envie de confondre les 4 et les 0,4, parce que par moment, on va avoir besoin de faire le distinguo. Donc du coup, il va falloir vraiment, pour moi, avoir non pas une table de centium, une table à 100 images, mais même une table à 110 images, en fait. Ça veut dire qu'il vous faut d'abord une image pour tout le nombre de 0 à 9, et ensuite, il vous faut un vrai centium de 0,0 à 99. Voilà, comme ça, voilà, c'est le coup de gueule. Voilà. Donc arrêtez avec les tables de rappel qui vont de voilà qui commencent avec des nombres, hein, enfin avec des chiffres. Non. Table de rappel, pour moi, c'est des nombres à deux chiffres. Et c'est marre. Voilà. Crazy, tu compares à ce que tu montres, elles sont pas similaires entre elles. Seulement 9 images similaires dans ma table. Ah d'accord, non. Tu compares les images de ta table de rappel avec ce que moi je montre. Et ouais, mais alors ça, c'est pas un problème, parce que tu vois, je vais en montrer d'autres. Je vais en montrer même, je pense, plein d'autres. C'est normal. Alors moi, idéalement, prenez une table qui existe. Il y en a plein. Donc allez voir, c'est ce que j'ai fait. Hein, moi, regardez sur Internet, vous allez en trouver plein de tables de rappel. Et encore, là, c'est juste des tables de rappel en français. Mais on peut en trouver, mais vraiment énormément, quoi. Et ensuite, donc une fois que vous avez votre table, vous commencez à travailler. Donc déjà, quand je dis cohérence ou congruence, pourquoi? Parce que, ou cohésion, enfin non, pas cohésion, plutôt cohérence, ouais. Idéalement, comme on est sur un système qui est phonétique et qu'au début il faut l'apprendre, votre système majeur et votre table de rappel, je vous conseille très fortement d'essayer d'avoir au moins des dizaines, donc des rangées en l'occurrence, qui sont cohérentes. Je m'explique. Si on prend par exemple rangée des 10 là, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc la deuxième dizaine. On est d'accord que le 1, dans le système majeur, je reviens au système majeur pour ceux qui ont un doute, ça doit, dans le système majeur, le 1, ça va être T ou D. Pourquoi? C'est comme ça. Bon, on dit le 1, comme le T ou le D, il a un seul trait vertical. Bon. Okay. Là, cette rangée, elle n'est pas super cohérente. Pourquoi? Parce que vous voyez que le 10, c'est tasse, ce qui est logique, donc la première lettre, c'est un T. 11, c'est tête, donc là, ça me va bien. 12, c'est tonneau. Et là, 13, boum, diamant. On commence par D. Idéalement, quand vous créez votre table de rappel, essayez d'avoir la même consonne, même si je sais que le 1, ça peut être T ou D, essayez d'avoir la même première consonne pour au moins dans la dizaine. C'est-à-dire qu'idéalement, j'aimerais bien voir que 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça commence toujours soit par T, soit par D.
Le deuxième, on s'en tape. C'est-à-dire que on peut tout à fait avoir dans 11, tête, c'est bien, mais ça pourrait très bien être Todd ou Toddy ou autre chose. Ok, alors je vois. Alors, Crazy, lui, carrément, Trackmania pour 13. Ouais, ça marche aussi. Ça peut, parce que si c'est pour toi une... Tu peux faire des initiales. Donc ouais, TM, ça marche, Trackmania. Puisque t'as pas Toastmasters, pour moi, par exemple, tu vois. Donc on peut tout à fait, ouais, on peut tout à fait faire des mots, comment dire, les initiales d'un mot ou d'une expression. Petit problème que je pourrais voir avec ça, c'est-à-dire que si tu veux faire, entre guillemets, la compétition, ou si tu veux faire des matchs, idéalement, on essaie toujours de faire en sorte aussi, pour des raisons pratiques, que ton mot ou ton image soit la plus courte possible, notamment à prononcer. Alors même si tu la prononces pas, il y a quand même une forme de subvocalisation, il faudrait faire en sorte que le mot soit le plus court possible. Donc par exemple, j'aime pas trop prendre des initiales, parce que TM, ça me demande quand même une demi-seconde supplémentaire, ou un quart de seconde supplémentaire, ou pour dire que c'est Trackmania, ou Toastmaster, plutôt que si je dis c'est Tom, ou Tim, ou Tam Tam, je sais pas, enfin d'ailleurs même dans Tam Tam ça va pas, parce que moi j'aime pas trop ce qui se répète. Donc idéalement, j'aimerais bien avoir juste une ou deux syllabes, c'est tout. Et même idéalement une, si tu peux en avoir une, c'est top. Alors après, les puristes diront que oui, mais à terme, tu maîtrises tellement ton système que t'as plus même besoin de le subvocaliser, parce que quand tu vois le nombre, instantanément, boum, t'as l'image qui apparaît dans le cerveau. Mais ça, pour ça, faut vraiment s'entraîner violemment avec. Ok, donc bon, voilà, pourquoi pas. Mais vraiment, sur cette histoire de cohésion et de congruence du système, moi, je vous encourage énormément, surtout quand vous le travaillez au début, à dire, bah, voilà, tous les 20, alors bon, les 20, il n'y a qu'une consonne, donc ça va, mais par exemple, donc toutes les consonnes doubles, en fait, donc à savoir toute la rangée des 10, la rangée des 6, ok, enfin des 60, parce que ça peut être che ou jeu. Alors là, pour le coup, vous voyez, la rangée des 60, elle est cohérente. Chaise, château, chêne, chameau, char, châle... Ah non, il y a le joujou qui vient mettre la merde. Chèque, chiffon, chapeau, ça irait. Il y a juste à changer... Il y a juste à changer chouchou. Donc tu mets pour joujou, tu mets un chèche ou une chicha, quoi. Et boum. Et là, t'as que des cheux. Donc tout commence par cheux. Drax, tu peux aussi finir par subvocaliser qu'une partie du mot à force. Ouais. Tout à fait. Mais alors c'est marrant parce que c'est ce qu'ils font dans le Shadow System, pour les cartes notamment. Si tu vois de quoi je parle avec le Shadow System. En fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il va prendre le même mot ou le début du mot, il va le changer. Exemple, je sais pas, pour 81 on va dire que c'est foot, ok, enfin ou c'est fat. Et en gros dans le Shadow System, pour avoir l'image miroir, donc pour avoir une autre variante, notamment pour les cartes, ça va être foot. Tu vois, donc il change juste, par exemple, la voyelle ou juste... genre, pour le mot anémone, anémomètre, je finis par dire némone ou némomètre. Ouais. Donc 232, si je ne m'abuse. Anémone. Si on est d'accord. T'es d'accord ou pas? Tu dis juste némone. Ouais. Ouais, bah ouais, ça marche. Après, anémone, je trouve que quand c'est juste une lettre... ou genre une voyelle à enlever, ça va. Mais anémone, ouais. Anémomètre. 233, c'est... Ah, c'est anémomètre. Ok, anémomètre. Ok. C'est un peu long, anémomètre, quand même. Pour Après, j'ai pas mieux, hein, honnêtement, donc... j'ai juste no mime. Le truc, c'est interdit au mime, quoi. 32, c'est menu, ici. Pas mal, menu. Et tu vois quoi? Tu vois le menu? Ou un menu? Tu vois quoi? Nemo, très bien. Je valide. Voilà pour la cohérence, la congruence. Alors, je parle même pas de Millennium. Hein, je vais pas parler de Millennium aujourd'hui, mais dans un Millennium, c'est très compliqué à faire, même d'avoir une centaine qui est cohérente. Mais par exemple, dans les dizaines de mes centaines, j'essaie d'être cohérent. Ok. Voilà. Donc, autre exemple, bah voilà, la rangée des 70. Vous voyez, 70 dans le système majeur, on est d'accord qu'on est sur du 7, c'est que ou gueux. Ok, c'est que ou gueux. Là, on voit qu'on a case, gâteau, canne, camion, car, cal, cage, cake, café, cap. Il n'y a que gâteau qui commence par G au lieu du son, enfin, ou gueux plutôt que par un son que. Donc, idéalement,
je partirais vraiment sur remplacer par exemple gâteau si j'en avais un à remplacer. Pour que ça fasse, je sais pas, 4. 4, ça marche bien. Après 4, c'est déjà pris par chat. Dans le 6. Mais bon. Le 8, pareil. Hein, le 8, on a dit, c'est F ou V. Enfin, ou le son feu ou V. Donc là, pareil. Fas, fat, fan, femme, far, fallo, vache, foc, fève, vamp. On va essayer de dégager 86, 89. Dégager les V. Et pour 99, pour les 90, là il se trouve que c'est cohérent. C'est P ou B, mais le gars est parti sur les P. Donc très bien. Donc je retiens pas. Point net, je... Voilà, intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Alors je vais quand même vous en montrer d'autres, parce que je trouve que c'est important d'avoir d'autres exemples. Alors si, enfin, le deuxième aspect dont je vais vous parler, qui me paraît ultra important, c'est la notion de, je vais dire concrétude, est-ce que je peux dire concrétude, ouais, ça existe, je crois, comme mot. La notion aussi de maniabilité de vos images. Alors ça, je suis sûr que c'est un truc qu'il y a plein de gens qui ne font pas du tout. Salut, Wimi, welcome, bonsoir, bonsoir. On parle un peu de Centium, on parle du système major, on parle des chiffres. Et je donne des petits conseils sur le sujet. Tac tac tac, alors bim, je vais vous en montrer un autre. Voilà, bim. Alors, ça, c'est une table de rappel que j'ai trouvé où? Elle est qui celle-là? C'est étudiant brillant. Étudiant brillant. C'est quoi? .fr, voilà, étudiant-brillant.fr. Voilà, donc tout est dit quoi. Je crois que c'est un blog aussi. Ouais, c'est un blog. Donc je lui ai piqué ça. Enfin, je lui ai piqué. Après, c'est sur internet. Hein. je lui ai emprunté sa table de rappel. La notion de concret, c'est ça, ouais. Aussi connue comme la concrétude. Concrétude, ça existe. Tu iras voir. Il y a même un effet concrétude en mémorisation qui est assez intéressant. Tu peux aller voir si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là, l'étudiant brillant? En fait, il a mis déjà une image, un petit dessin, un petit idéogramme, pour toutes ces associations. Ça, c'est indispensable. Alors, on n'est pas obligé de le faire dans un tableau, ok. Mais vous êtes obligé de le faire mentalement. Il faut bien comprendre que très souvent, et donc là, je vais peut-être même rebasculer. Vous avez des images, enfin, vous avez des associations ou des mots qui sont pas concrets, déjà. Déjà, si c'est pas concret, ça va pas. Est-ce qu'il y en a, là? Parce qu'il en a peut-être mis, quand même, hein. Non, mais c'est pas mal concret, en fait. Nord, ça peut se discuter, parce que c'est une notion, mais bon, on peut se le représenter. D'ailleurs, on voit que son dessin est pas... Voilà, ouais, il a mis une boussole, il a mis une rose des vents, mais bon, c'est pas... idéalement, je peux faire une boussole, par exemple. Carrément, j'imaginerais peut-être le drapeau, pôle Nord, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des trucs pas concrets. Bah, par contre, la chasse, c'est une notion. Là, il a représenté un chasseur. Ce qui pose pas de problème quand on a qu'un centième, mais quand on a un millénium, par exemple, ce genre de subtilité devient vite extrêmement ennuyeux, parce que entre un chasseur et une chasseuse, ou la chasse, un chien de chasse, chose que j'ai pu avoir dans mon système à une époque, il va vouloir faire un choix, parce que sinon vous avez des redondances, quoi. Ou en tout cas, c'est trop proche, quoi. Ok, bon là, ça va. Mais non, alors je vais revenir sur l'ancien, parce que c'était plus flagrant. Du coup, si on part sur... Donc 24, il est un peu nul, c'est énervé. Alors, si t'as genre un mème dans la tête, ou une personne très spécifique, ou une situation très spécifique, ça peut aider. Mais ouais, c'est un petit peu abstrait, quoi. Je vous donne un exemple. Non, est-ce qu'il y en a là des exemples frappants? Voilà. Alors... Ouais, non, attends. Est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que tu pouvais mieux faire. J'ai foi en toi. Non, mais là ça va encore, c'est assez.
assez concret. Non, alors, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui? Ah oui, il m'a envoyé pour 0,5, il avait une salle. Juste une salle. Une salle, alors, pour le coup, c'est concret, mais c'est pas spécifique. D'accord, une salle. C'est un peu pareil. C'est trop, trop vague. Et surtout, je vous disais, donc il y a la concrétude, mais il y a la maniabilité de vos images. Est-ce que c'est facile à manier? Et en fait, une salle, c'est compliqué. Par exemple, vous pouvez pas l'associer facilement à autre chose. Vous pouvez pas l'associer à un autre objet. Par exemple, si je dois associer une salle et une tasse, j'ai un problème. Si vous êtes dans un palais mental, si je dois mettre une salle dans une pièce ou sur un canapé, ça devient compliqué. À moins qu'on ait une image d'une salle très spécifique ou d'une salle de réunion, d'une salle de classe ou d'une salle d'opération, mais voilà. Donc, tout ce qui va être peu maniable et peu concret à éviter. D'accord. Pareil, la mafia, là on voit mafia pour 38, voilà, c'est un bon exemple. Mafia, c'est un truc assez vague. Enfin, ça peut être, en tout cas, c'est pas très concret, parce que c'est une organisation, etc. Donc, bien sûr, on peut avoir une image associée à la mafia qui est très concrète. On peut voir le parrain, on peut voir Al Pacino, ou... comment il s'appelle? Je sais plus. Voilà, je vais voir ce que c'est. Voilà, un mafieux, par exemple, je préfère. Alors après, ça peut être vraiment la mafia, on peut imaginer vraiment... Bah, le parrain, tu vois, mais enfin, ou carrément la couverture du parrain, ou une image très spécifique, très forte du parrain, etc. Ou... Mais idéalement, voilà, toujours faire en sorte que, bien vérifier que votre image, elle est déjà ultra concrète, mais genre, et aussi ultra spécifique, parce que par exemple, quand on est une cage, ok, c'est une cage qui est en quoi? Qui est en métal, elle est en bambou, elle est en bois, elle est en plastique, c'est une cage, c'est une petite cage, c'est une grosse cage, c'est une moyenne cage, c'est une cage à quoi? C'est une cage à oiseaux, c'est une cage à fauves, c'est une cage à être humain, c'est quoi? La maïf. Ah non, maïf, ça va pas. Non, ou la maf. Ouais, la maf, c'est pas fou non plus. Donc, idéalement, ultra concret et ultra maniable. Donc facile à interagir. Alors moi souvent une bonne idée effectivement c'est est-ce que vous êtes capable de vous la représenter mentalement, et donc ça veut dire est-ce que je suis capable par exemple déjà d'avoir une image de ce que c'est, ça va vous dire tout de suite si c'est concret ou pas, et est-ce que je suis capable après de jouer avec, est-ce que je peux le prendre dans ma main, ok. Si je peux prendre l'image dans ma main, alors un éléphant, vous allez me dire, ouais, tu peux pas le prendre dans ta main. Mais en fait, si, ça peut être un petit éléphant. Okay, un tout petit éléphant, ça peut être une statue d'éléphant, ça peut être un éléphant miniature, ça peut être une figurine, etc. Ça me fait penser que j'ai une impression 3D à vérifier après. Donc voilà, donc pareil, là je vois par exemple pour. Ah mais lui, là, il a une variante du système major qui est différente. Donc les 5, c'est des S. Donc par exemple pour 57 il a un site, ok, j'aimerais bien savoir moi quel site, c'est Darth Maul, c'est Darth Sidious, c'est Darth Vader, c'est quel Darth, lequel site quoi, d'accord, idéalement il faudrait que ce soit un site très spécifique, sauf que c'est pour 30, toi c'est à être humain direct, Sonic, la cage carrément, après c'est peut-être plus mémorable, sauf que c'est pour 39 car j'ai mess up avec le système major, ne me tape pas, Ah d'accord, t'as changé. Non mais tu fais comme tu veux, y'a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. J'accepte les variantes, hein. Du moment que vous avez des variantes, y'a pas de problème. Hein. Chacun a sa variante. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont cette variante-là, je crois, avec le 5 qui est un S et le 1, enfin le T qui est au niveau du 7 plutôt que le 1. Donc ouais, y a plein de variantes, y'a pas de souci. Donc voilà, donc ça j'aime bien, c'est un bon exemple. Il est bien... Et pareil, à chaque fois, se dire, ok, comment on peut le rendre encore plus spécifique? Idéalement, même, on peut aller chercher, plutôt qu'un idéogramme, ce qui est sympa, si on veut aller plus loin, et ce que font beaucoup de gens, d'ailleurs, quand ils commencent à bosser sérieux, c'est vraiment, ils vont chercher une photo, carrément. Vraiment une photo. Par exemple, là, vous voyez, là, pour château, il y a une image château. Idéalement, j'irais prendre un château spécifique. C'est quel château, quoi? C'est le château de Chambord, c'est le château de Versailles, c'est le château de Blois, de Nantes. Pareil, une tâche. Alors là, la tâche, par exemple, vous allez me dire c'est concret, mais c'est pas forcément... Ouais, si, c'est maniable quand même. On peut faire des trucs avec une tâche. Mais idéalement, je prendrais carrément une tâche spécifique. Ça serait toujours la même tâche, la même forme. Et surtout, ce serait une tâche, je sais pas, une tâche d'encre. Ou une tâche de ketchup, donc à chaque fois être ultra spécifique. Une tasse, pareil, je prendrais vraiment
idéalement, je passe cette tasse-là ou une tasse que je connais, que j'ai déjà eu entre les mains. Thor, pareil, Thor, là, je mettrais vraiment une photo de Thor dans une certaine position, dans un des films de Thor ou une iconographie de Thor, etc. Un chapeau, pareil, un chapeau spécifique. Donc, c'est pour ça que quand vous vous forcez à prendre une photo plutôt qu'un... ou alors il y aura un dessin très spécifique, mais allez pas forcément vers des idéogrammes, idéalement vers une photo ou un dessin très précis, et c'est celui-là, quoi. Le site, ok, c'est quel site, quoi? Est-ce que c'est Darth Maul, là, avec sa posture, avec les deux, le double sabre derrière lui et tout? Idéalement être... Bon, là, pareil, même Pogba, on voit, il a pris Pogba pour 98, ou 99, il a pris Pépé. C'est... moi, je prendrais une photo de Pogba avec un certain maillot dans une certaine équipe lors d'un certain match, quoi. En train de faire une certaine action. Pépé, pareil, c'est quel Pépé? C'est mon Pépé, c'est son Pépé, c'est etc. Pépé très précis, quoi. Voilà. Ok, deuxième point. Troisième point, je vous conseille d'éviter les exceptions dans votre système. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour certaines images, parfois, on a tendance à tricher. Ou à changer un petit peu 2-3 trucs, à se donner des permissions. Oui, mais qu'est-ce que tu nous fais? Je confirme qu'avoir une photo spécifique ou tenue spécifique pour les persos, pour chaque mot perso, m'a beaucoup aidé à passer un cap sur les cartes. Nickel. T'es chaud sur les cartes en ce moment, là? T'as combien? T'as quoi? T'as un PAO? Je suppose que oui. Mais tu t'entraînes beaucoup, toi, en ce moment, il me semble. Hein? J'ai pas vu un peu sur... Après, on va se faire des petits... Je te vois tout le temps, d'ailleurs, en train de t'entraîner. Non, non, peut-être pas là, récemment, là. Mais... T'approches la minute? Chaud. En combien de temps? Super chaud. Espéro. Je note, car pour moi, c'est pas vraiment spécifique. Cool, crazy. On va tester ça après sur Memory League. Alors, je disais, pas faire d'entorse, enfin, ou pas faire d'exception à votre système. Est-ce qu'il y a un exemple, hein, dans celui-là? J'en vois pas forcément. Comme ça. Alors, si. Ça, c'est peut-être un bon exemple. Je vais reparler de Pogba. Ok. On dit dans le système major, chaque consonne, c'est un chiffre. Ok, donc là, il a pris que le 9, c'est devenu un P. Et le 8, je dis pas de bêtises, là, c'est B. Non, attends, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça? Ok, ouais, parce qu'à chaque fois, le 8, c'est B, vous voyez? Donc, par exemple, 18, 8, c'est Boa, 18, c'est Cube, 28, c'est Noob, 38, c'est Mob, 48, c'est Rob, 58 Sabo, 68 Jabba, 78 Teubé, 88 Bébé, 98 Pogba. Ok? Sauf qu'il s'appelle pas Poba, il s'appelle Pogba, quoi. Et donc là, il a fait une entorse, il a fait une exception à son propre système. Parce qu'en gros, il a pas dû trouver un mot ou une image qui marchait juste avec PB. Et du coup, il est parti sur Pogba. Alors peut-être il adore Pogba et c'est ok, et ça va, et why not? Mais là, il a tordu le bras un petit peu à la règle, quoi. Et il a tordu le bras au système major. Et ça paraît pas grand-chose, ok? Mais quand vous faites ça un petit peu à 98, et puis un petit peu à 51, et puis un petit peu à 33, ou non, peut-être pas 33, mais... Ou parfois, par exemple, on va rajouter... ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils rajoutent une syllabe, ok? C'est-à-dire que tous leurs mots ont deux syllabes, une ou deux syllabes, et puis de temps en temps, ils vont dire « Ouais, mais là, j'aime bien ce mot-là quand même. » Ils prennent un mot à trois syllabes. Parce que... Ou par exemple, ils n'ont pas trouvé des mots simples pour toutes leurs images, donc ils ont pris les initiales. Donc, ils ont pris Trackmania. Voilà, je dis ça, je dis rien. Pour 13. Je ne vise personne. Voilà. Alors, tout dépend. C'est-à-dire, est-ce que dans ton système, tu as que des initiales et toutes tes images sont comme ça? Ou est-ce que tu l'as fait juste pour 13, ou juste pour certains mots dans ton système. Il faut des exemples. Attends, je vais prendre d'autres exemples. Je vais rater deux. Je vais payer sur Crazy, après, il va être content. Est-ce que j'ai un exemple, tiens, dans celui-là? Il y a l'acharnement.
Alors voilà, moi j'avais un excellent exemple. La 89, enfin, non, c'est pas un bon exemple. Enfin, si, parce que 89, par exemple, je me rappelle souvent, parce que j'ai bossé pas le temps avec Sébastien, son image pour 89, pour lui, c'était un vampire. Okay? Et moi, vampire, ça marche pas. Parce que vampire, il a rajouté le re. Donc, alors, il aurait pu prendre une vamp, ou un vamp, enfin voilà, bon, ok, ça peut être le raccourci de vampire. Mais pour moi, vampire, c'est pas vamp. Okay? Et ça paraît rien, mais. Mis bout à bout, ces exceptions-là, et sur, alors je sais pas, bah, par exemple, un championnat de France où on a une épreuve des mots 5 minutes, une épreuve des nombres binaires 5 minutes, une épreuve des chiffres 15 minutes, ça fait énormément d'exceptions, et du coup, bah, ça vous crée en fait des problèmes là où il n'y a pas besoin. Merci de suivre, petit Gus, welcome. Alors, yo, pour le coup, pour Trackmania, on utilise très souvent l'abréviation TM. D'accord. Ok, ça, je ne savais pas. Donc, je pense que ça peut très bien marcher, sans doute même mieux que d'autres. Ok. Bah, c'est ça. Si vous avez l'habitude. Alors, voilà. Et ça. Alors je disais, tout ça, je vous le dis, mais en fait, pareil, tous les conseils que je donne, c'est. Au final, c'est vraiment c'est votre préférence personnelle, quand même, qui l'emporte. Ok, c'est votre choix. Parce que c'est vous qui allez utiliser votre système. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, ce que je ne vous conseille pas de faire, c'est de prendre la table de rappel de quelqu'un. Et la coller à vous, parce qu'au final, les images, c'est quand même très personnel. Et donc, au final, c'est vous quand même qui allez utiliser le système, c'est vous qui allez le travailler. Donc, c'est à vous de voir si. T'es mon fort. Si votre système, il tient la route, quoi. Et si pour vous, dès que vous voyez TM, vous pensez à Trackmania, parce que c'est évident pour vous, je sais même pas ce que c'est, en fait. C'est quoi? C'est un outil? C'est un software? C'est quoi? Je vais paraître encore complètement inculte. Trackmania, c'est quoi? C'est des jeux vidéo. C'est un jeu vidéo? Ah, mais si, j'ai vu des mecs streamer ça. Si, j'ai vu là. C'est le truc où je sais pas, la voiture, elle va. Il faut rester justement sur la piste, c'est pas ça? C'est ça ou pas? Je crois que j'ai vu des mecs. Ou le. 2003, ah ouais, c'est déjà. Oh putain, 20 ans. Série de jeux vidéo de course développée par Nadeo, éditée par Focus Home Interactive jusqu'en 2009, puis par Ubisoft. Voitures peuvent se chevaucher sans collision. Ouais, mais c'est. Je connaissais même pas. Voilà. C'est fait. D'accord. Meilleur jeu du monde est de loin. Ok. D'accord. Non, je connaissais pas. Désolé. Voilà. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Je suis peut-être trop vieux. Ok, d'accord. Donc, bref, si ça marche pour vous, c'est bien. Mais idéalement, essayez de limiter. Voilà. On va dire, bon, voilà. Je vais reformuler un petit peu. Essayez de limiter le nombre d'exceptions que vous faites à votre propre système. C'est vos règles, bien sûr. Mais idéalement, bah, on veut. Ouais, je me coucherai moins bête, ouais, clairement. Faites en sorte vraiment de bien sélectionner et d'être cohérent. Okay? Donc, je vous parlais de cohésion, de cohérence au début. Okay? Mais parfois, vous allez faire une entorse à votre système et vraiment, vous allez même casser le système major. Et vous allez vous dire sur le moment, parce qu'en fait, ça m'est arrivé plein de fois, que ouais, mais bon, là, j'ai rien d'autre en fait. Parce que ou c'est la bonne image, ou je vais garder ça, c'est cette association-là que je veux, donc je vais rester là-dessus. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que sur le long terme, vous allez le payer en fait. Parce que ça va vous créer des. Une seconde de plus de réflexion, ça va vous créer des doutes. Ou pareil, par exemple, on dit au début, bah, je sais que je veux pas de doublon. Ok, ça, en général, les gens savent, ok, je veux pas de doublon. Et puis de temps en temps, vous allez vous dire, ouais, mais ces deux images-là, elles sont proches, mais ça va, quoi. C'est pas les mêmes, quoi. Et en fait, vous allez vous apercevoir que sur le long terme, bah, enfin, moi, ça m'est arrivé plein, 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 plein de fois. Je m'étais dit, ouais, mais je vais jamais confondre ça, genre, je sais pas, une vache ou une génisse et une vache à lait, par exemple. Je peux pas confondre, ça n'a rien à voir. Je sais pas, pour moi, ou la vache du prisonnier et la vache de je sais pas quoi, et en fait, non, parce que j'ai deux vaches dans mon système, c'est foutu un jour. Comme je suis allé très 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 vite, je me dis, attends, c'était quelle vache? Et du coup, bah, ça vous coûte le match, la saison. Tu as utilisé certains circuits de Trackmania comme Palémanto, tu m'en avais parlé en ITW, je sais pas si tu te souviens, ITW. Ça y est, je suis perdu.
Je suis perdu. Que veut dire ITW? C'est pas Illinois Tool Works, apparemment. Inside the Wire, c'est quoi? Interview. Qu'est-ce que tu me fais là comme raccourci? ITW, interview. Ok, je peut-être. Merci. Nombre de vaches que j'ai dans mon système, c'est l'enfer. Mais c'est moi aussi! Mais pourquoi on a autant de vaches? C'est quoi le problème avec les vaches? Est-on obsédé par les mamelles? C'est tout, Drax, je ne vois que ça. Des circuits de Trackmania, ok. Bah non, je me rappelle pas, tu vois, en plus. Mais après, ouais, il y a plein de gens qui utilisent des circuits ou des niveaux de jeux vidéo. Et d'ailleurs, je pense pas que je le fasse assez. J'aurais peut-être le faire plus. Clairement. Voilà, donc, cohésion dans votre système, ou congruence. Faites en sorte d'avoir des images ultra concrètes, ultra spécifiques, et qu'elles soient maniables, que vous puissiez faire des choses avec, quoi. Est-ce que je peux la balancer? Est-ce que je peux la casser? Est-ce que je peux l'ouvrir? Est-ce que je peux l'enfermer? Est-ce que je peux la tourner, etc. Évitez les exceptions dans votre système. Alors, si des exemples que j'avais eu, notamment récemment, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, donc le rajouter par exemple une consonne, ça c'est le truc classique. Rajouter soit une console, soit une syllabe, alors qu'il n'y en a pas logiquement d'après le système major. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah voilà quoi. Ou de temps en temps, voilà, vous dire, bah là j'ai pas de. Bizarre. Ouais, bah, attention, on a un millénium. Hein. Crazy. T'as un millénium ou t'as un centium? Parce qu'en fait, tu vois, sur un millénium, au bout d'un moment, t'as un peu de tout. Moi j'ai des trucs, je savais même pas que ça existait avant de me créer un millénium, quoi. Mais c'est bien, ça nous oblige à trouver des trucs sympas, quoi. Puis ça aide des fois pour les mots fléchés, quoi. Non, juste un centième. Un centième, c'est très bien. C'est très très bien pour démarrer. Parce que, par exemple, si je vous amène sur... Je vais changer un petit peu. Ça va être atroce, logiquement. Je vous amène sur... je sais pas si quelle tronche ça va avoir. Quelque chose ça ouais. Si je vous amène sur le site donc de l'IAM International Association of Memory et qu'on va sur les 5 minutes chiffres ou même sur les 15 minutes chiffres ouais il y aurait pas bah, des chiffres après ouais bon, on va faire deux par deux c'est bien mais ouais c'est atroce quoi je veux dire, vous allez en bouffer plein, 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 plein. Donc en plus, vous allez avoir des, vous allez avoir des nombres qui reviennent très souvent. Très, très, très souvent. Donc sur une longue série, c'est obligé. Donc si vous avez, je sais pas moi, 5 ou 6 fois 79, si votre 79, il n'est pas ultra chiadé, et vos autres images associées à ce 79-là spécifique, et ça va revenir dans des endroits différents, si c'est pas bien, bien concret, c'est pas bien maniable. Ouais, on va vite rencontrer des petits problèmes, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit passage sur... T'as quoi? Alors, Vache Kiri pour 867, sûrement. Vache Maigre à 863, d'accord. Vache Joyeuse. Vache Joyeuse. Pourquoi t'aurais une vache joyeuse? C'est quoi? 866? Je dois en avoir d'autres qui traînent, ok. Je vois 477 dans de la cité. Et ben voilà, tu vois, c'est typique. Donc si t'as pris un truc, le truc classique, il y a plein de gens qui prennent kaki, la couleur, il y en a qui prennent la couleur ou on va dire le pantalon. Pantalon, ça va encore. Le fruit, tu vois, c'est mieux. Tu vois. Mais j'ai déjà des gens qui me disent, c'est quoi toi pour 77? C'est la couleur kaki. J'aime bien la couleur kaki. Ouais. Mais chaud. Chaud, chaud, chaud. Parce que. Surtout avec le stress, en plus de la compète, le temps qui passe et tout. Cookie. Ah bah cookie, ça marche. Si c'est un chien, en plus, ça marche aussi. Très très bien. Et c'est un chien spécifique, donc ça c'est très bien. C'est concret, tu peux faire plein de trucs avec. Donc voilà. Là pour la table de rappel, voilà pour le centième. Je vais arrêter là-dessus, mais je trouvais ça important d'en parler. Quand même. D'ailleurs, je vais commencer peut-être à. Faudra que je prenne des conseils auprès des pros, genre Crazy, etc. Parce que j'avais envie de créer peut-être des emojis, un petit peu des émoticônes là pour le. Pour le chat, je me dis que ça vaut la peine, hein. Puis peut-être même des émoticônes animés. Et ben maintenant, j'ouvre la parole.
au floor et je vous propose des petits entraînements. S'il y en a qui sont chauds, je vais faire un peu de memory. Parce qu'il faut que je m'entraîne parce que j'ai un match. Ah si, non, je voulais vous en montrer comme un dernier. Trackmania, quoi, le truc de dingue. Jamais joué de ma life. Trackmania. Voilà, ouais, des trucs comme ça. C'est énorme, ça. C'est complètement énorme. Est-ce qu'il y en avait encore une que je voulais vous montrer quand même de table, de rappel. Hop, 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 hop. Les modifications n'ont pas été enregistrées. Qu'est-ce qui me fait? Sais pas de quoi il parle. Bon, je sais pas. Tu laisses ta place, Crazy. Ok. Pas de soucis. Si, il y en a un autre que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est un autre site. Non, c'était celui-là, tac. Non, c'était pas celui-là. C'est celui-là, voilà, tac. Et donc ça, c'est une... Alors je l'aime bien parce que là, ils sont allés plus loin. Donc ça, c'est étudiant hospitalier. Point, je sais plus quoi. Bah, point com, c'est marqué dessus. Bah, tu vois, il y a la vache qui rit. Direct. Tac, je vais tout vous montrer quand même. Et ouais, bah ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, mais je trouve que c'est mieux parce qu'on est allé plus loin. On a pris. Enfin, je trouve les images beaucoup plus concrètes, beaucoup plus frappantes. Enfin, la plupart, pas toutes. Mais ouais, y a des photos ou des dessins, c'est plus spécifique. D'accord, donc là, on est quand même sur. Enfin, pour moi, c'est plus qualitatif. Des chaos, c'est toujours des excuses hein, quand même. S'il y a personne, t'es chaud. Eh bah, Drax, tu peux pas faire les shifts ni les cartes en ce moment. Pas de problème. Moi non plus, je vais éviter un peu les shifts parce que si j'ai un match demain, mon dernier match de ligue, on peut se faire des noms, on peut se faire des images. De toute façon, il faut toujours s'entraîner. Hein. Mais vous voyez, il a des images bien. Est-ce qu'il y a des choses qui me choquent par exemple, dans ces images-là ou qui vous choquent? Ah, pareil, là, tu vois, pour 16, on a DJ, et on pourrait dire, ouais, mais là, c'est les initiales, ouais, mais ça fonctionne, en fait, ça fonctionne très très bien. Donc, pareil, 18 TV, ça marche bien. Ça marche très bien, et oui, tout le monde comprend. TV, DJ, donc TM, si pour toi c'est Trackmania, sans problème, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce que je dis, 16? Oui, c'est ça. Quoi d'autre? Non, non. Ouais, Nord. Nord, la rose des vents, ça peut marcher. Idéalement, je préfère une boussole, moi, mais bon. FBI, c'est trop abstrait. Attends, il est où? Où est-ce que t'as FBI? Ah oui, pour 89. Ouais, c'est pas foufou, hein. FB. Puis t'as FBI. Donc pour le coup, au final, ça fait quand même trois syllabes. Ouais, c'est pas terrible. Pour NASA, une fusée serait plus simple à faire. Interagir. Il y a quoi là? Ah oui, le sigle. Ouais, bah, complètement. Complètement, ouais. Ouais, fusée ou navette spatiale, ouais, clairement. Je suis d'accord. Donc voilà, donc essayez de trouver vous dans vos systèmes, enfin ce que je fais tout le temps, hein, je vous le cache pas parce que mon système est loin d'être au point, même si ça va, il marche, il roule pas trop mal. Bah, les images qui méritent quoi, qui méritent d'être retravaillées, et surtout, enfin, les gens hésitent beaucoup à retravailler un système ou à revenir sur une image. Et moi, je pense qu'il faut vraiment se donner la permission de dégager une image. Ah oui, mais tu vois, ouais, je comprends parce que 80 il a déjà fusé. C'est pour ça. Donc il a dû vouloir éviter la redondance. Mais pour le coup, fusée et NASA, ouais, je suis d'accord, déjà ça va pas quoi. Donc là, il faudrait dégager quoi.
Ok, enfin voilà. Il y a vache qui rit, il y a bœuf, il y a pas mal de vaches aussi. Donc voilà, voilà l'étudiant hospitalier, ce qu'il recommande. Alors j'ai vu à certains endroits aussi des tables de rappel qui sont pas basées du tout sur le système major, mais plutôt sur un Dominic System pour ceux qui connaissent. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Ou c'est quasiment arbitraire, ou enfin. Des variantes un peu, voilà. Je trouve qu'il y a une beauté, il y a une simplicité dans le système major qui est quand même extraordinaire. Et enfin, je trouve que c'est un système qui a vraiment, vraiment fait ses preuves. Donc, si vous pouvez partir sur le système major, bah partez sur le système major, vous compliquez pas. Alors, il y a d'autres systèmes qui existent, mais voilà, le système major il est pas mal, pas mal du tout. Bon, alors est-ce que j'ai déjà des invites ou pas? Drax, c'était chaud, on est parti. Je vous cache pas qu'il est déjà tard, on va pas la faire trop tard, mais je trouve ça bien de faire un petit peu de mémoire. Les gars, faut s'entraîner. Chou, tu m'invites? Je te vois pas, je vois pas ton nom. Qu'est-ce qu'il y a comme match? Vendredi. Ah bah tiens, il y a le match entre Simon et Brayden. Il l'a torché, hein. 4-0. Oh! Welcome, Tarzuka12. Merci pour le follow. On va juste faire un petit peu de memory reading maintenant. On va s'entraîner un peu avec Drax. Il y a Simon, il a explosé quoi. Montation 19 à 10, la petite claque. Sur les images. À 30 images, il l'a joué safe, stratégique. Dommage, il y a Braden qui s'est gaufré en 10 secondes. Simon, ensuite, sur les mots, 49 à 38. Bon, bah, 49, c'est chaud de battre 49 ans déjà. Oh là là, je te laisse m'inviter car visiblement tu reçois pas l'invitation. Ah non, je vois rien, comment ça se fait? Ok. Bizarre. Tu veux juste mettre un truc dans le chat que je puisse voir ton nom, comme ça je vais juste cliquer dessus, je vais pas m'embêter. Je suis extrêmement feignant. À moins que tu sois. T'es en quelle division toi? Attends, je vais bosser dans une division si tu veux. Ah, si là je le vois. Haha! Ok, ça a dû être un peu. Non, pas League Rated. Bon! Petit truc d'image 2173-2059, donc sur le papier, il est clairement bien meilleur que moi. Ça va être ultra violent. Bon, bah, tout de suite, moi je vais mettre mon petit casque et puis et good luck. À tout de suite, on va essayer de faire des perfs. Je suis comment là? Mon top 5, il est pas fou si 14 à 16. Oh, 16, 16, si, je devrais pouvoir faire mieux que 16. Bon, à tout de suite. Combat des titans. Ok, on est parti.
Kata. La kata, quoi. Pas concentré, puis je suis revenu dessus, j'ai perdu le fil, j'ai mélangé des lieux. C'est atroce. Déjà, le temps est pas fou. Au poulet, canoë. Alors. Alors, ça va être un carnage. Oh. Ne sais plus ce que j'ai fait. C'est là la fleur, c'était avant. Plus du tout là. Qu'est-ce que j'ai fait? Catastrophe. Pas très précis. Qu'est-ce que j'ai inversé? Ah bah juste les cactus et navets au final et inverser la fleur. Bon. Bon, allez, on est reparti, hein. Salut, tu aurais une liste de quelques livres pour améliorer sa mémoire. Avec des exos à faire dedans, ce serait top. Je vais surtout te conseiller, Tarzuka, les livres de Sébastien Martinez, Tony Buzan et Dominic O'Brien. Donc, par exemple, Sébastien il va juste d'en sortir un qui s'appelle Champion de la mémoire. J'aime bien les bouquins de Sébastien, sans lui faire la pub, c'est un ami, mais parce que justement il y a beaucoup d'exercices. Tu as aussi Dominic O'Brien parce qu'il explique beaucoup. Tony Buzan, il y a beaucoup, enfin, il donne beaucoup d'exemples, même si bon, un peu de remplissage dans ses livres. Mais du coup, ouais, voilà ce que je te conseillerais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas si tu es sur notre Discord, on a un serveur Discord. Et en général, il y en a d'autres où on en cite d'autres. Donc si tu as d'autres questions, tu pourras. J'en ai d'autres qui me reviennent, je te dirai. Voilà, voilà. Moi j'ai un bouquin qui va sortir dans pas longtemps, mais sur la médecine, alors ça t'intéresse pas forcément. Alors attends, faut que je me remette dans l'entraînement. Je sais pas si t'es encore là, Tarzuka, j'espère que t'es pas reparti, parce que sinon, je sais pas quand j'ai vu ta question.
meilleur temps. T'as découvert Discord, bah nickel. Ça roule. Si vous avez d'autres conseils, les gars, sur les d'autres personnes là, sur les bouquins, n'hésitez pas. Maison, grenouille, citrouille, bonnet. Après, tout dépend ce que tu cherches comme exercice, quoi. Déjà, si tu vas sur le site aussi de l'association des sports de mémoire, tu auras pas mal de tips. Il y a le forum Art of Memory, bien sûr. Puis tout dépend du type d'exercice de mémoire que tu cherches, quoi, parce que c'est vraiment très, très, très vaste, quoi. Attends, je vais essayer de me concentrer un petit peu quand même. J'aurai plein de doutes sur l'ordre. C'est là les radis. J'ai des bons doublons, mais je les ai pas forcément au bon endroit. Je suis allé un peu vite. Là ou pas? T'es où lui? T'es là ou t'es là? Attends, 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 y a un truc qui ne va pas. Décaler un truc là. Donc c'est ça. Pas ça. Quasiment sûr de tous mes doublons, mais pas de l'ordre en fait. Est-ce que l'écureuil était là ou est-ce qu'il était après? Je sais pas. Ouais, les buildings, il y a un enchaînement de trois buildings là. Est-ce que c'était à cet endroit-là? Je sais pas. Oh! Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné l'auto, mais en fait j'ai pas gagné quoi. Et donc j'ai inversé l'écureuil, montagne, l'horloge. Du coup j'ai mis le bateau trop tard. Et du coup. Ah non, mais en plus j'ai complètement décalé. Bon, pas de regret parce que j'ai vraiment. Ah ouais, non, mais j'ai tout décalé quoi.
Alors moi c'est... Attends, qu'est-ce que tu me dis, Tarzouka? Mais si c'est tout le Naruto. Ouais, non, je pense qu'il y avait d'autres exercices. Ok. Tu as parlé d'un livre sur la médecine. Ouais, ça va s'appeler Mémoriser en médecine de la passe aux EDN. C'est aux éditions Vuibert. Et en gros, c'est... Dedans, j'explique un peu toutes les méthodes d'apprentissage qui sont scientifiquement prouvées. La mémorisation, je fais un peu un tour de tout ce qui existe, si tu veux, au niveau... en termes d'études un peu sérieuses sur le sujet. J'explique aussi un peu comment ça fonctionne, le mémoire, les associations, les techniques comme la répétition espacée. Par exemple... L'entraînement par récupération, le double codage, ce genre d'informations, j'en ai déjà parlé pas mal sur le stream, mais des choses qui sont pas forcément connues du grand public, ou en tout cas qu'on travaille pas des masses. Je tue pas mal de neuromythes aussi, tu vois, comme cerveau gauche, cerveau droit, ce genre de trucs. Anki, c'est la base. Et après, dans le bouquin, je vois pas mal de méthodes qui existent, hein, que j'ai pas inventées, qui sont très répandues. J'en cite certaines qui sont pas très connues, comme le processus d'échafaudage, qui est un peu sous-estimé, par exemple. Je fais un petit tour aussi de tous les moyens mnémotechniques existants, enfin, pas de tous les moyens mnémotechniques existants, mais de toutes les méthodes pour créer des moyens mnémotechniques, qui soient phonétiques, qui soient orthographiques, qui soient sémantiques, qui soient visuels, etc. Et après, je déconstruis, si tu veux, certains cours de médecine carrément, ou certains exemples de médecine. Alors, ça peut aller de la première année, je vais en gros jusqu'à la troisième année. Je vais pas au-delà parce qu'après, ça devient trop en dehors de mes compétences. Et en fait, c'est principalement des cas en fait, pratiques que j'ai eu avec soit des étudiants, soit des professeurs de médecine. Et du coup, c'est. Voilà, je suis assez content du résultat. On verra, ça sort le 24 mai. Mais je mettrai des infos et tout, j'en parlerai. Je ferai un peu de promo quand même, même sur le Discord. Je briserai une de mes règles personnelles. Est-ce que je remarque une différence entre un entraînement le matin et le soir? Grave, mais complètement. À moi, entre un entraînement, si tu veux, à 9h ou 10h du mat, et un entraînement à 21h ou. Ah, mais. Ou même à. Non, 18h ça va, je suis frais. Et surtout après manger. Si j'ai mangé, laisse tomber quoi. Si j'ai mangé ou trop mangé, tu vois, ou si j'ai pris une bière. Oh, voilà, c'est terrible quoi. Donc ouais, moi c'est le matin. Mais après ça dépend un peu. Alors j'allais dire de ton chronotype, même si j'aime pas trop dire ça, mais il y a des gens qui sont frais le matin, qui aiment bien bosser le matin, d'autres ça va être plutôt l'après-midi, d'autres c'est en début de soirée, d'autres c'est tard le soir. Mais moi je sais que tard le soir, il n'y a plus personne. Vraiment, c'est pour moi, c'est. Si je dois faire un match, si j'ai le choix, voilà, c'est entre 9h et midi, quoi. Ou alors entre, allez, je vais prendre entre 15h et 19h, quoi. Si j'ai vraiment le choix, quoi. Merci, merci, Tarzuka. Non, c'est le premier que je sors. Ce sera sûrement d'ailleurs le seul. Enfin, le seul. Depuis, on commence à m'agacer. Enfin, m'agacer. Je suis très sollicité pour écrire des bouquins, mais j'ai galéré pour en écrire un. Donc, je ne vais pas forcément en faire d'autres. Allez, on va refaire un petit change d'image parce que pour l'instant j'oublie complètement Drax. Post-it qui recouvre les murs, ça marche. Ça marche aussi, ouais. Et moi je me mets tout le temps des alertes et tout. Tout ce que je peux externaliser, je le fais. Après, j'aime bien bosser ma mémoire aussi, quoi. Ta 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 ta. On est parti. Troisième, on va dire que c'est la bonne normalement. Et en fait, je suis pas dedans, faut que je me concentre un peu. J'ai mal au crâne, peut-être juste trop fatigué en fait. Comme je disais, c'est le soir, c'est pas idéal. Parce que les images, faut être rapide et concentré. Ah, puis il faut que j'aille voir mon impression 3D. Si elle a marché. Faut que je la mette dans l'alcool aussi.
Feuille chou. Feuille Wurtlach? C'est quoi ça? Des feuilles, chou, une plante et un lac. Petit poussin qui picore une toile de mer. J'ai vu le mandrill. Un mandrill ou? Donc c'est un mandrill. Ah bah bon. Je vais mettre un mandrill. Ah, c'est un mandrill, je pense. Est-ce que je vais tout avoir? C'est pas dire. Je crois que ça va être la dernière pour moi parce que y a plus personne là. En train de perdre le fil. Alors, il y a pas mal de... Ok. Bah, je sais pas. Déjà, je suis pas sûr de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais en plus, ceux-là, je sais même pas où les mettre. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était un bateau sur une. Y a rien, ça. Les deux premiers, ça va. 5 et 6. Je dirais oui. Ciao, Tarzuka. Je dois y aller, pas de soucis. À plus. Merci d'être venu, ouais. 5 et 6, oui. 7 et 8, oui. 9 et 10, j'ai un doute. Est-ce que c'est le mec avec la guitare ou est-ce que c'est la guitare sur le gars? Pourquoi? Je pense que c'est le gars avec la guitare. Bat le 11 et 12, je crois que c'est bon. 13, 14. Je crois que c'est ça aussi. Pas sûr, mais je crois que c'est ça. 15, 16, je pense que c'est ça. 17, 17, ouais. 18, je suis pas sûr en fait. Je pense c'est ça, 21, 22 c'est ça, 23, 24 c'est ça, 25, 26 je pense c'est ça, 27, 28, 29, 30 je suis quasiment sûr. Bon, ouais, bah alors qu'est-ce que ouais,
Qu'est-ce que j'ai... T'étais sur toi pour le yoga. La petite inversion. Ah oui, c'est pas gros, toi, ce que tu m'as fait, toi, hein, comme inversion. C'est bon, hein? Putain, il est vraiment bon, Marx. Bah, le recall, ouais, ça... C'est l'habitude, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi j'ai pas pensé? Oh, ouais, non, mais j'ai complètement. Je l'avais pas du tout là. Oh, je l'avais pas du tout. Non, j'ai pas du tout vu ça, moi. Ok, on va arrêter les images. Hein. C'est quoi l'image 5? Ah oui, pardon, c'est la cinquième pour moi, mais. Ah, c'est quoi? C'est en fait, c'est en fait, c'est une vitre avec de l'eau dessus. Tu peux, ouais, tu c'est un peu. Tu vois peut-être mieux là. Parce que pour vous, c'est vrai que ça fait petit, quoi. Alors, du recall. C'est juste de l'eau sur une vitre. Ouais, désolé, on va rester là. Désolé, désolé. Te laisse. Bon, ben, je vous remercie tous. Ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de Centium avec vous, du système Major. Et du coup, bah, je vais aller. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, bah, je vais sûrement vous revoir ce week-end parce que j'ai un petit match quand même, mon dernier match de ligue. Donc, on verra comment ça se passe. Si le match a lieu, je le streamerai avec plaisir. Bonne soirée, merci à tous. Ciao Crazy, ciao Sonace, ciao Drax, ciao tout le monde. Et à bientôt!